En règle générale, nous devons nous connecter en super administrateur pour créer un équipier, sauf si notre profil nous permet de le faire. Nous allons dans les paramètres avancés, puis équipe pour ajouter un employé. Nous replions le menu de gauche pour avoir une meilleure visibilité. Nous accédons au menu équipe pour créer notre employé. Il est possible de régler le comportement du mot de passe pour toute la plateforme. La liste des employés et leur profil est affichée. Nous ajoutons un nouvel employé. Il faut renseigner les champs obligatoires matérialisés par l'astérix rouge. Et enfin, nous sélectionnons le profil de cet employé. Le profil détermine les droits d'accès sur l'application, puis nous enregistrons. Nicolas va se connecter avec les identifiants que nous lui avons communiqués. En se connectant, il peut voir qu'il s'agit bien ici de son compte personnel. Nous pouvons voir qu'il n'a pas accès à tous les menus.